Une gay pride rassemblant 2000 personnes s'est tenue samedi dans la ville de Płock, en Pologne. L'événement intervient 3 semaines après celle de Białystok, où des violences sont survenues contre la communauté LGBT. Un important dispositif policier a été mis en place pour éviter les débordements, alors que des appels à une réaction musclée venant de l'extrême droite avaient circulé sur Internet. Le cortège a subi des insultes et des provocations de la part de supporters de football. Selon cette femme, il y a autant de slogans qu'il y a de gens. Mais nous voulons l'égalité en Pologne, le respect et la sécurité, nous dit-elle. Cette femme estime qu'il devrait y avoir un échange de points de vue. De telles choses ne doivent pas être interdites, selon elle. À 2 mois des législatives du 13 octobre, la question des droits des personnes LGBT est très présente dans le débat politique en Pologne. À Cracovie, 3000 personnes se sont réunies devant la résidence d'un archevêque catholique pour le soutenir. Il avait qualifié le mouvement LGBT de peste arc-en-ciel.